Bon allez, c'est parti maintenant pour faire des niveaux, et pour ça on va donc carrément découvrir le nouveau monde. Le nouveau monde qui s'est ouvert à nous, et donc du coup on y va, c'est parti mon kiki, en appuyant sur X. Ah bien sûr, on se met du facecam pour ça, c'est tout c'est craft, Léo c'est craft. Ok, donc ce que je viens de dire en gros, c'est que là on se met une facecam pour ça, bah parce que c'est un peu saoulé au début de l'année, et bah surtout pour démarrer très fortement avec ce jeu. Alors du coup, on se met bien en place, on se remet, et c'est parti mon kiki. Ok, donc là on se recommence sur un CD de Banjo et Kazooie, et donc du coup, où se trouve la pièce de puzzle? Mais à mon avis, je suis qui se trouve au-dessus, je me trompe. Alors on va y voir. Ah, je vois quelqu'un. Qu'est-ce que je me dis? Je vois notre ami Bottle. Ah non, c'est pas Bottle. C'est vraiment une... le lit qui chatouille, nom de Dieu. Je disais qu'en gros, que c'est pas Bottle, en fait, c'est Monsieur le Cochon. Et out. Faut-moi la paix, toi. Bon, on y va. Bonjour, monsieur. Ah non, c'est X. Oh, mon équipe. Moi mon équipe, il ne s'applique pas pourtant et il va se faire atteindre par le monde de feu de la console. Tu aurais depuis les premières phases, phase de gros, hein. C'est un vrai tour de cochon que tu joues à des techniciens. J'en ai perdu de temps. Je ne perds pas de temps avec des vulgaires employés. Tout le monde est remplaçable. Bon, ok, on va m'envoyer de cochon, je vais bon. Il faut secourir mes techniciens avant que je se fasse griller. Quel idiot, le mur de feu va les carboniser. Mais il va falloir des sages passages. Je sais si tu veux les conduire tous jusqu'au point d'accès. Ne t'espère pas, moi, par si nous. On va les récupérer. Ok, donc il faudra des sièges. Bon, bah, très bien, on va créer un véhicule alors. Mais, attends une minute. Alors, déjà, on va d'abord supprimer tout ce qu'il y a ici. Supprimons tout. Et donc, du coup, donc il faudra des sièges. Des sièges passagers, des petits et grands. Bah, du coup, on va mettre. Du coup, j'aurais bien tourné, voilà. Du coup, on va en mettre deux. Et ensuite, on va mettre deux grands. Alors, toi, tu vas te lever. Non, pas ceci, c'est. Attends, niveau supérieur, niveau inférieur. Non. Voilà, on va te mettre là. On va te mettre ici. Voilà. Et du coup, je mets donc mon petit siège qui sera mis ici. Et donc du coup, c'est parti pour construire le topo. On va plutôt prendre ces roues-là. Non. Ok, c'est comme ceci. Donc là, je reprends un peu en main. Du coup, on construit ici. Un peu là. Et du coup, il faudra un peu de la puissance. Non, moteur. On en met un peu par ici. Mettons du carburant. Quand je vais tourner pour donner une certaine envergure. Stockage, non. En revanche, carrosserie, je voudrais bien. Du coup, toi, on va tourner pour te coller ici. Ensuite, toi, je tourne pour te mettre là. Et du coup, toi. Et ben on va mettre des cubes. Des cubes. Bon, là, on va mettre un peu de cubes par ici. Et du coup, ce que je profiterais bien de faire, c'est de. Ben, je crois qu'on va plutôt mettre des coins. Du coup, toi. Attends. Toi, tu montes. On va te coller
ici. Et bah, on va remettre au coup. Non. Des demi-cubes. Donc je comprends toujours les trucs. Parce que les gâchettes, c'est pour lever et descendre. Et ça, c'est pour regarder l'indication. On va mettre un peu par ici. Mm-hmm. Voilà. Et donc ensuite. Ouais, et du coup, je vais quand même mettre au coup des vitres. Mais je vais plutôt en mettre juste. Deux. Et c'est Banjo qui se prendra tout le truc. Et ensuite, pour finir. Oh, bah attends. Attends. Ceci, on va les prendre. Pour les faire lever, pour les mettre ici. Et du coup, ici. Attends, il n'y a pas des accessoires. Non, j'avais pas des phares. Hélice, flotteur. Non, c'était pas ça. Munitions. Non, munitions, pas besoin normalement. Gadget, non. Non. Non, pas très bien. Allez. Je remets. Non. Stockage, non. Chargeur. Carrosserie, léger. Je vais mettre un peu de cube. Et voilà. Et maintenant, on va quand même faire un petit test. Oui, faisons quand même un peu le test de ceci. Bon. Au moins, ça accélère. Parfait. Parfait, parfait. Bon, maintenant, on est parti en gros pour quitter le garage. Et c'est parti, mon kiki. On se remet bien en place et c'est parti pour aller faire un peu l'escorte. Attention. Go. Partez. Ok, alors déjà, où il se trouve. Du coup, on prend l'un. Voilà. Et où il se trouve, où il se trouve. Ok, il se trouve dessus. Du coup, on monte ici. Et l'enfoiré. Qu'est-ce que j'ai dû prendre des munitions. Je vais taper, moi, je vais taper, hein. Ouais, tu fous le camp. Ok, 1, 2. Il manque le dernier. Qui se trouve là. Attends, elle est pas sortie. Allez, on monte. Voilà, merci beaucoup. Et bon, vite. On y retourne. Allez, 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 allez. Et voilà. Ouf. Parfait. Et on a gagné un trophée. Un trophée de Titi. Attends, se garder les pieds, continuer en passant sous garde. Bon, continuez. J'avoue que j'aurais pu faire mieux. Tu vois, c'est comme ça que ça marche, hein. Je te donne un ordre, puisque tu gagnes une récompense et tous les 7 ans, car un mois de supplémentaire. Un mois de suppression. Bon, au moins c'est fait. Bon, bon ça c'est un peu easy peasy. Attends, où se trouve l'autre? Je crois bien que l'autre, il doit se cacher. Ah, il est. Ah non, ça c'est le jeton d'Injo. Mais attends, il se trouve où l'autre? À mon avis, il doit se trouver. Attends une minute. Ah ok, il se trouve à l'intérieur, c'est bon, je le vois. Et donc du coup, attends. Attends. Est-ce que j'ai bien enregistré? Attends. Non, c'est bon. RS, ça enregistre. Et donc du coup, lui c'est le coup. Et attends une minute. Je remets que normalement, lui, il faudra qu'on fasse en gros une sorte de course, mais c'est aussi en forme de puce. Connexion dangereuse. Qu'est-ce que c'est alors? Clugo cassé collection récent. Stupide antenne pourrie. Maintenant, Clugo bloqué dans le logiciel sans raison. Encore un lundi? Encore un sinon, Clugo, je me suis que tu n'entendais pas tes jours, c'est son préféré appliqué et qui te sauve la mise une nouvelle fois. Qu'est-ce qu'il a encore cassé? Merci, proposer aide. Ours, voire Constantine, lui, ici, aujourd'hui, au endroit plus haut. S'il te plaît, du coup, demandez gentiment. Signal arrivé et console reconnectée avec réseau quarantaine assez haute. Facile pour Ours. Donc, on a monté tout là-haut. Non. Choisir véhicule. Bon, allez, on prend le tracteur et voilà. Et on y va pour amener la grosse antenne.
Mais non. Non. Hop, l'antenne. Ici. Et vite, on y va. Du coup, il faudra monter. Et pour ça, je crois bien que je connais un raccourci. Désolé. Pardon. Non mais, je shoot tout, hein. Donc du coup, on monte. On monte, on monte, on monte, allez. Et ok, je me souviens qu'il faudra monter tout en haut. Doucement, tout, tout, tout doux. On recule un peu et on y va. Bon, là j'aurais pas monté Fit Titi puisqu'il faut le faire en moins de 50 secondes. Et je crois bien. Non. Là, on descend. Faudra monter un peu plus haut par ici. Et du coup, je remarque que ici, ça doit être le maximum. Voilà. Ici, c'est le maximum. Alors que je me dis que si j'avais au cours une grosse caisse et même des ailes, je crois bien que j'aurais pu voler plus haut. Mais bon, au moins l'important c'est ceci. Au moins ceci. Coucou, revenir sur l'oiseau maintenant. Faire entraînement de lutte et plus casser le truc. Oh, se tenait pièce. Voilà, et donc du coup, voilà le topo. Et normalement, ben je crois bien que, bah, littéralement, on a fait. On a fait donc les deux, si je peux dire, bah, les deux niveaux à puzzle. Allez hop, on y va. Donc, Dieuville. Donc maintenant, je crois qu'on va quand même profiter pour faire l'autre monde. L'autre monde. Donc du coup, on va quand même passer par là. Oui, on va quand même profiter de faire le tour. Et en plus, comme ça, plus on aura de pièces, bon, ça permettra d'ouvrir plus de portes. Vous comprenez? On se remet en place. Et voilà. Ok, et... Ah oui, pièce de puzzle rejetée. Merci beaucoup. Bon, du coup, on vient ici. Et on y va pour... 2. C'est parti. Alors, le monde numéro 2. Je remets juste mon cadrage et voilà. Bon, ok, ça glisse trop. Je vais juste un peu le petit réglage. Je m'en occupe. Allez, remets-toi bien. Ça devrait suffire. Ça glisse trop, ça glisse trop. Later. Comme cela. Bon, pas d'autre choix, c'est peut-être incliné, mais au moins ça passera. Bon, allez. Du coup, on y va. Alors. Ah, ok, Yahoompa. Et attends. Attends une minute. Est-ce que notre ami Bombo serait pas en haut? Oui. Parce qu'en fait, si vous voyez la flèche en bleu qui monte la touche haut, ça veut dire que c'est en haut. Et si par exemple c'est du bas, c'est en bas. Et. Oh non, c'est Bottles. Oh mon dieu, c'est Bottles. Oh la pauvre petite taupe. Mais qu'est-ce qu'il veut encore? Déconnecté. Mais qu'est-ce qu'il a encore foutu lui? Oh, il faut que je fasse un peu de maintenance pour cette console. Tourne à 1000 gigaloflaps, mais la visite a du mal aux yeux. Enfin, me fait mal aux yeux. Il y a de l'improvisateur. Néon se demande encore pourquoi sa vue est courte. On dirait que c'est encore une tâche ingrate pour porno, banjo. Qu'est-ce qu'il a encore foutu, lui? Ma commande d'autocontrôle. Oh, les commandes de contrôle de société. Mes visites sont réglées au max. Ça donne mal à la tête. Je peux plus travailler. Arrête de chercher des excuses, le geek. Tu n'as jamais dit que t'es peut-être tout simplement incompétent. Non, sois pas si cruel. Utilise la clé pour réparer le cache et ferai en sorte que cette console tourne avec sa maxielle. Enfin, j'espère. Ok. Et ok, donc faudra faire avec un petit hélico. Un petit hélico. Ça, ça va être marrant. C'est parti. Et ok, il y en a 3. C'est parti. Alors, attention, doulou. On y va, doucement. Oups. Ouch. Et voilà. Allez hop. Voilà. Ah ok, je vois un Jijo qui se trouve ici. Voilà, maintenant tu avances doucement. Voilà. Hop, un de réglé. Allez, on passe suivant. Allez, go, 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 go. Et on décolle.
Et on passe au suivant. Qui se trouve tout là-bas. Ouch. Tout doux. Ok, tout là-haut. Ici. Et voilà. Et voilà. Voilà, parfait. Et... Non mais nom de Dieu, ça arrête pas de se péter la gueule. Tu arrêtes là tes conneries. Je crois que c'est pas le meilleur emplacement que j'ai fait. Et bon, au moins j'ai gagné une pièce de puzzle. Allez. Bon, c'est sur la tête en biais, mais l'importance est que ça marche. Et voilà. Tu te casses la gueule. Oh, tu as un tir rapide, Manjo. Ça me laisse plein de temps pour bricolage intensif. Prends ces prix et file. Voilà. Enfin, parfait. Parfait. Bon, tant mieux, parce que c'est comme ça. La caméra, je la posais ici. Voilà, comme ça, tu me feras pas chier. Du coup. Quelle couille. Faut plutôt te foutre là. Voilà. Du coup, hop, je reprends mon véhicule. Et allons voir pour l'autre qui se trouve en bas. Du coup, on descend. Et hop, je prends un raccourci. Ouch. Ça fait mal. Et oh, Oumba. Oh, c'est Oumba. Non, qu'est-ce que je veux? Trop de challenge pour super clan de Humba, rien que pour les frères, pour les muses, on parle que des écosses pour prouver mes recommandations, mes yeux marins. Moi, je veux pas tout vouloir participer. Enfin, si tu veux, et c'est juste aussi le clan, rien que pour les gamers. Ok, donc là, c'est maintenant que le niveau de la course. Avec des puces. C'est pas toujours meilleur que participant, automateur, grand pim, gagner un morceau. Qu'est-ce que j'ai l'impression bizarre. Tu crois que c'est du cyclisme? Ça ressemble du cyclisme, oui. Et pour ça, c'est une course. Et avec une puce. Du coup, c'est parti. Brum. Prêt? Parti! Let's go! Et ok, carrément, ça démarre fort. Je me prends direct les trucs dessus. Et avec Klungo, il casse tout, hein. Et... Non. Recommence les défis, ça a déjà mal parti, hein. On recommence. Mieux vaut toujours recommencer. On recommence. Prêt. Partez. Voilà, hop, on démarre, et là. Slalom. Ici. Voilà, ensuite. On monte. On tourne. Et on descend. Voilà, comme ceci. Il faudra monter. Merci beaucoup. Allez, merci. Et attention. Bon, plutôt couper par ici. Voilà. Hop là. Là, ensuite on monte. On prend la mini rampe. Et là, on descend, on passe par là. Hop. Ici. Hop. Bon, là, que je me dis, c'est un truc où c'est 3 tours. Hein. Hop. Et là on peut y aller doucement. En passant par là. Et là on passe par ici. Pour venir par là. Voilà. On va couper ici. Faire un petit slalom. Et là on remonte. Et là ici. Et là on descend. Ensuite. Là hop. Ensuite hop. Là. Ici. Et normalement c'est gagné. C'est gagné. Voilà. Je crois bien que j'étais vraiment mais proche du truc, hein. Non, j'avais eu mon trophée Titi. Oh. Bon, pas grave. L'important est d'avoir eu au moins une pièce de puzzle. Pas mal pour débutant. Assez bon pour faire plaire. Assez bon pour pièce. Peut-être même assez pour jouer pour clantre pour son fille. Non, merci, j'en veux pas. Attends, il est où mon véhicule? Il est où? Il est là. Bon. Attends.
Non, j'ai toutes les pièces qu'il faut. Donc littéralement, je peux rentrer. Et attends, ils sont où déjà? Attends. Non, il est pas à l'intérieur ici. Là, t'as la pièce de Jinjo qui se trouve là. Ah oui, il se trouve au-dessus. Au-dessus, du coup, on monte. Et, non, je crois bien que littéralement, on a toutes les pièces de puzzle qu'il faut. Du coup, hop, et on y va. Et, non, tu vas pas par là, tu recules, et ensuite là, on va descendre par ici. Donc du coup, allons chercher donc les pièces de puzzle qui sont là, pour pouvoir ensuite descendre. Mais pour ça, on va plutôt se mettre, par exemple, ici. Ok, j'en ai littéralement 4, allez, on y va. Du coup, on tournoie. Allez hop, voilà, 4 pièces de puzzle. Et donc du coup maintenant on les met une par une. Donc une, ensuite hop, non pas suffisant, non celle-là tu la laisses ici. Ensuite la deuxième. Bon je remets, je vais plutôt reculer. Hop, ensuite maintenant on met la troisième. Et on va essayer maintenant de mettre la quatrième. Du coup on se met là, du coup c'est parti maintenant pour tous les mettre dans le condensateur de pièces. Et en plus c'est pas très loin. Allez hop, on y va, on roule. On roule, mon véhicule. Hop, et ensuite là, on est à l'intérieur, et du coup, ça nous fait un total de 9. Et voilà. Tada. Allez, ok, on a gagné une nouvelle boule, et... Oh, attends, je vois ce que c'est. C'est pour aller dans un autre qui se trouve par là. C'est clair que je pourrais aller directement mettre la boule. On part, on se voit un nouveau arrivage. Maintenant, un nouveau élément véhicule est disponible. Bon, bonjour, vous voulez revoir Humpa paraître dans la place centrale. Ok, merci beaucoup. Oups. Super, nouveau niveau du nouveau jeu Clugo sauvé. Nouveau Clugo héros sauvé le monde. Prêt à jouer, tout le monde peut voir essayer la carte de Clugo sur quai. Ouais, bon, très bien, ok. Et donc, du coup... Non, littéralement, tout a été fermé. Donc, du coup, ce qu'on va profiter de faire, c'est quand même aller chercher en gros cette boule, cette couille plutôt. Et au cas où, vous devriez un nouveau truc. Mais ça, je sais pas trop si on pourra le faire. Mais j'avoue qu'on verra ça un peu sur la longueur. Alors du coup, on y va. On fait boum 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 boum. Et allons-y, allons-y. Pour mettre en gros cette masse de boule en filade. Hein. La boule. Allez, on y va. On roule. Et donc du coup, donc là c'est, on va monter. On monte. Voilà, par ici. Et donc du coup, ouais, tu remontes par ici. Enfin, ouais. Enfin, ça peut être de tout le trajet, si je peux dire. Mais bon, après, j'avoue que chercher la boule... C'est un peu pas le truc qui est le plus fou entre guillemets, mais surtout c'est un truc là qui est... Bah, je peux faire totalement ça en off dans mon coin, vu que c'est un truc là où c'est suffit, c'est d'aller chercher la boule et de l'amener sur un point précis. Enfin, sauf là pour le trajet dès qu'il y aura la boule. Enfin, surtout comme le nez. Allez hop, et on y va. Et attention. Et on y va. Oui. Et voilà. Attention. Et donc du coup, là, on monte. Et du coup, c'est à mettre sur le socle qui se trouve là. Allez, on descend et on amène la boule là. Tada! Et donc, du coup, on a dévoyé des nouvelles portes. Et... Oh mon dieu, je vois ce que c'est. C'est normalement le truc, je crois pas, de Banjo Land. Mais ça, c'est un truc littéralement où c'est, tu as des sortes de circuits, tout ça, et... Bah, j'avoue que c'est un truc normal qu'on pourrait y faire un petit tour. Sauf que... Attends, je peux quand même y aller. Je peux quand même y aller, voilà. On a le droit donc à une rampe et... Attends, laisse-moi voir un truc. Non, je crois bien qu'il n'y a pas d'autre choix. En fait, il faudra que... Attends, il est où le câble là? Il est où? Ok, le câble il est là-bas et... Ok, attends, je vois ce qu'il veut dire par là. Attends, j'ai peut-être compris quelque chose. Alors d'abord... On y va, ensuite. Bah voilà, notre véhicule il va patauger. Et là, on recule. On remonte sur notre pente par là. Et donc, du coup, il faut aller ici. Et. Attends, mais comment je fais pour accéder? Attends, comment je fais pour. Hein? Ah non. Ah non, c'est bon. En fait, il faut plutôt aller en fait sur ce terrain qui se trouve par ici. Mais attends, tu peux directement monter dessus ou tu peux pas? Non, littéralement. Du coup, allez, on remonte. Voilà, ici. Et du coup, voilà. Et attends, je vais rappeler mon véhicule. Avec Y. Et voilà, ça nous atterrit bien ici. Et donc, littéralement... Ah oui, là, ça me rappelle des choses. Oui, donc là, t'as une rampe ici.
avec carrément des caisses ici par là. Et donc du coup, en fait le truc c'est, si je retourne en gros par ici, et que par exemple je monte sur cette robe qui sont tout là-haut, j'aurais vraiment mis tout là-haut. Alors déjà, on a eu les caisses, mais sûr que ça sera pas assez là pour tout de suite. Du coup on va plutôt faire le défi de la corde. Le défi de la corde, tout doux, tout doux, doucement. Voilà, c'est bon. Attends une minute, je crois bien que la caisse, je vais plutôt la faire tomber. Comme ça, elle réattira tout en bas. Et ensuite, là, on refait le truc. Ok, bon, attendez, ellipse. Allez, on est parti pour faire ce défi d'accord encore. Allez, on esquive, on se tient en équilibre. Attention. Voilà. Ok, il y a une autre qui est tombée, mais bon, pas grave. On se tient. On se tient la corde. Attention, c'est ultra raide par contre. Voilà. Tout doux. Tout doux. Voilà. On fait pas le truc brusque. Tout doux. Tout doux. Reviens, reviens. Voilà. Reviens. Et ensuite, on y est. Voilà, enfin. Et donc du coup normalement si je vais par ici, je remets c'est... Oui, oui, il y a une caisse qui revole dessus. Allez, je la fais tomber et voilà. Allez, et hop là. Et voilà. Ouch. Bon, au moins elle a atterri, au moins ça. Bon, attends, je vais rattraper mon véhicule et on va s'arrêter ici. Bon, en tout cas, voilà. Donc on a un peu récupéré 4 pièces de puzzle. On a découvert un nouveau monde, mais après bien sûr on peut rentrer dedans. Mais sauf que quand même, il y a quand même des choses qu'on a débloquées et on va ça une prochaine fois. Mais surtout que je vais profiter, pendant que je vais faire au coup cet arrêtage et avant de démarrer l'épisode suivant, d'aller faire un petit tour pour aller récolter ces caisses que je tiens avec ma baguette magique. Parce que là c'est quand même un truc que je préfère en off. Bah ça c'est un truc là je trouve qui est pas très intéressant à voir. Ça c'est plus un truc là si vous voulez, juste si vous voulez voir dans le coin. Mais bon après, c'est quand même par contre utile si vous voulez au coup des choses. Bon allez, c'est la fin de cet épisode donc sur Bonjour Cause et une note et le bot. Like, commente, partage avec toi, clique cloche, Instagram, Twitter, TikTok. Bon allez, moi j'ai une chose c'est tus. Et comme je l'ai dit, je vais profiter en off pour littéralement aller récolter toutes les caisses qu'il y a un peu à disposition dans les ordres qu'il y a. Et qu'on démarra, là on fera avec ce gros tatus caisse qui est là avec Mambo. Et comme ça on permettra de débloquer des choses. Bon allez, moi une chose c'est tus. Bonjour Cause et une note et le bot. Et oh la vache. Attendez, je vais tirer un coup et voilà. Allez, ciao. Bonjour Cause et une note et le bot. Même Bonjour, il est en train de faire d'exercice un peu.